Vos vers sont pour les crucifiés.
Rime riche, vole canon.
la rime était riche en pages de si
son âge. Oui, funeste, je ne mens pas, car peut-être êtes-vous là-bas. Quoi qu'il en soit, vos livres restent, ces subtils poisons nous empestent. À peine trouve-t-on en eux rien qui ne soit pureté la plus plaisante est chez eux la plus innocente. Vos vers sont beaux et le font grand bruit. Ce sont des vers luisants de nuit. Le sage en méprise la pompe, tandis que l'homme fou s'y trompe. Vos vers si finement conçus, en sens Bacchus et Vénus, partout ils battent la caisse pour enivrer de leur ivresse. L'enfer est plein de gens perdus par vos livres si bien vendus. Selon la Sainte Bible, c'est à vos vers qu'on est sensible. Oh, qu'ils en donnent tous les jours, on ne peut arrêter leur presque tout le monde les loue sur les théâtres, l'on les joue. Oui, ce livre sage et mondaine que vous avez peut-être en a peut-être donné plus d'âme qu'il ne contient de plus infâme. Vous me direz, je n'y vois rien qui ne soit beau, qui ne soit bien. Ne vous y trompez pas, mon frère, leur poison tôt ou tard opère. Leur brillant tache le poison, leur appât couvre l'âme. Parmi cent mots d'esprit intendre, qui fait penser tomber se rendre. Ne faites pas le Saint-Esprit
mauvais écrit. Il est fait par l'Esprit monte pour séduire les gens du monde. Si vous le gardez, le démon vous criera toujours qu'il est bon. Qu'on ne pêche point à le lire, que Dieu ne défend pas le rire. Jetez tous ces romans au feu, faites-le pour l'amour de Dieu, sans regarder la couverture, l'impression qu'il a ses contes insolents, au feu ses bons mots si galants, au feu ses tendres tragédies et ses infâmes voici mes vers et mes chansons, s'ils ne sont pas beaux, ils sont bons, s'ils ne flattent pas les oreilles, ils riment de grandes merveilles, s'ils ne sont que pour les petits, ils n'en sont pas d'un moindre prix. Si ce sont des vers ordinaires, ils n'en sont pas moins salutaires. Lisez-les donc et les chantez, pesez-les et les méditez. N'y cherchez point l'esprit sublime, mais la vérité que j'exprime. Dans mes chansons, vous pouvez trouver vos sermons. J'en ai digéré la matière pour vous aider et pour vous plaire. Voici des sujets de raison, je crois le dire avec raison, car souvent un vers, une rime font qu'une vérité s'imprime. Chaque mot d'un vers doit porter pour qu'on le puisse méditer, pour le garder en sa mémoire, pour son bouquet et pour sa gloire.
cœur affligé, chantez, chantez. En chantant, vous vous surmontez. Le cantique est très efficace pour avoir la joie et la grâce. Chantez et de bouche et de cœur, à haute voix, avec hauteur, pour bannir du cœur la tristesse et pour le remplir d'allégresse. À la vanité qui chante veut être écoutée. Si votre voix est ravissante, que votre âme soit innocente. Chantons donc tous et comme il en faut, chantons les grandes du Très-Haut, en chantant détruisons le vide.